Allez, salut, salut les gars, voilà, c'est toujours moi le Sam Hospital, et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc, dans un premier temps, je voudrais d'abord remercier ceux qui me suivent, voilà, et ceux qui se donnent vraiment assez de temps pour pouvoir suivre mes vidéos et tout ça. Je suis très reconnaissant par rapport à cela, voilà, parce que c'est ça aussi, c'est vrai qu'on essaie comme ça de vous donner des informations, mais si au moins chacun de vous pouvait liker les vidéos qu'on met, parce que c'est l'algorithme de YouTube qui demande cela. Voilà, donc likez pour que tous ceux vraiment qui ont envie de ces informations-là puissent les avoir et puis mieux en tirer profit. Voilà, donc aujourd'hui, je suis juste là pour parler d'un souci, d'un problème que tous les étudiants étrangers qui doivent venir ici en Russie essaient de me soulever et essaient de m'envoyer des messages. Voilà, et je vais comme ça essayer de donner quelques solutions pour que lorsque vous venez, vous soyez vraiment à l'aise, vous soyez dans les meilleures conditions. Voilà. Et ce problème, c'est quoi? Et ça concerne un peu les histoires de transfert d'argent pour ceux qui doivent arriver ici en Russie. Voilà, parce que vous savez déjà que depuis les sanctions, en ce qui concerne l'invasion de la Russie, voilà, en ce qui concerne le problème de la Russie avec l'Ukraine, voilà, on a été déconnecté du réseau SWIFT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, ici, il n'y a pas d'histoire d'argent, transfert d'argent du monde, c'est-à-dire d'un autre pays à la Russie. Voilà, on a été déconnecté. Donc, ce qui veut dire que la Russie est vraiment seule dans le coin en ce qui concerne de façon économique, en ce qui concerne les histoires de transfert d'argent et tout ça. Voilà, donc, étant donné que nous sommes étudiants étrangers ici et que on doit parfois envoyer de l'argent à nos familles ou bien nos familles aussi doivent nous envoyer de l'argent, voilà. On a réussi à mettre en place comme ça des transactions, des manières de transactions, voilà, pour que ceux qui sont ici ou bien ailleurs puissent au moins se ravitailler en quoi en argent. Et ce qui est le plus important, c'est quoi? C'est que j'avais déjà fait cette vidéo-là sur l'application qu'on utilise. Donc, vraiment, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Et puis, ceux qui doivent venir, voilà, vous allez avoir plusieurs options. Soit vous envoyez cet argent-là, ou bien vous mettez sur votre compte, sur l'application que je vais vous montrer. Voilà, vous mettez sur le compte et arrivez ici, vous retirez. Ou bien, si vous avez déjà une personne qui est déjà ici, voilà, vous lui envoyez cet argent-là via l'application que je vais vous montrer. Et ainsi, la personne qui est ici va récupérer votre argent, vous attendre et vous donner. Parce que si vous prenez votre argent en dollars, en euros ou bien en francs CFA et que vous arrivez ici, vous n'allez pas pouvoir changer vraiment votre argent et ça va rester comme ça. Vous allez avoir de l'argent dans votre main, mais sans valeur. Vous voyez? Voilà, donc vraiment suivez bien cette vidéo-là pour pouvoir mieux en tirer profit et puis pour pouvoir aussi être prêt lorsque vous allez venir. Il faudrait que tout ce que vous ayez dans votre main en termes de valeur soit en rouble. Si ce n'est pas dans la monnaie russe, vous n'allez pas pouvoir vraiment l'utiliser. Voilà, donc je vais vous montrer rapidement comment est-ce que vous devez faire pour ne pas vraiment être dans le retard, pour ne pas vraiment dépenser inutilement ici en Russie. Voilà, donc les gars, on y va, suivez bien. Dans un premier temps, vous allez en description de la vidéo que je vais mettre en ligne. Cette vidéo-là, vous allez en description. Et lorsque vous allez aller en description, vous allez voir l'image qui est là. Vous allez voir le lien avec ici. Vous voyez le lien qui est là. C'est l'application, c'est le lien de l'application qui est là. Voilà, donc vous prenez le lien de l'application et surtout, ce qui est le plus important, vous prenez le code qui est là. Voilà, c'est un code promo parce que si vous utilisez ce code promo là, vous allez voir que vous allez avoir des réductions en ce qui concerne les frais que vous allez vraiment utiliser. Voilà, si c'est une grosse somme, forcément les frais vont être un peu élevés. Donc, vous pouvez diminuer ces frais là avec ce code promo qui est là. Voilà, c'est assez important. Donc, moi je vais cliquer là. Moi je vais cliquer sur le lien qui est là. Vous allez voir que ça va nous renvoyer vers l'interface de l'application. Voilà, donc l'application c'est quoi? C'est Flash Send, comme vous le voyez là à l'écran. Voilà, donc quand vous arrivez là, vous devez vous inscrire. Moi, je me suis déjà inscrit, moi j'ai déjà mon compte, voilà, mais dans les normes, si j'ai mon compte, je viens sur se connecter et je me connecte. Mais moi, je vais pas le faire. Voilà, je vais m'enregistrer normalement comme vous pour vous aider un peu à pouvoir vous enregistrer. Donc ici, vous mettez le nom, voilà, votre nom. Ici, vous mettez votre prénom. Ici, vous mettez votre email, voilà. Et ici, vous mettez les pays de résidence. Donc, comme je disais, vous voyez, ce sont ces pays-là où se trouvent la Côte d'Ivoire, la Russie, la Guinée, le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Cameroun, Burkina, Congo-Brazzaville, Ghana, Mali. Donc, ce sont dans ces pays-là que se trouvent comme ça, pour l'instant, ce sont dans ces pays-là que se trouvent
l'application. Donc, ce qui fait que vous allez peut-être utiliser, et je le dis encore, ce n'est pas seulement entre les pays de l'Afrique et la Russie, mais entre vous aussi, les pays, vous pouvez aussi l'utiliser. Entre vous, là-bas, vous pouvez aussi l'utiliser et mettre de côté les histoires de Western Union et de MoneyGram. Voilà. Western Union, MoneyGram, vous devez aller attendre. Vous allez faire le rang, tout ça, pour pouvoir attendre pendant longtemps. Alors qu'avec cette application, vous n'avez pas vraiment besoin de ça. Vous mettez juste de l'agence Worldcon Mobile Money et vous l'utilisez tranquillement, assis quelque part avec votre téléphone. Voilà. Donc, ici, vous utilisez dans quel pays vous êtes actuellement. Voilà. Donc, si moi, par exemple, je peux mettre mon nom ici. Voilà. Je mets. Voilà. Donc, et puis, mon prénom, je mets Hilary ici. Et mon mail, comme vous savez, mon mail là, c'est le mail qui est là. Et le pays de résidence, je peux mettre par exemple comme ça, Russie. Je peux mettre Russie ici. Voilà. Donc, après ça, mon numéro de téléphone, c'est le numéro de téléphone qui est le plus important en Russie. Parce que nos numéros de téléphone sont reliés à nos coordonnées de banque. Donc, ce qui fait que, voilà, vous devez vraiment faire très attention pour ne pas vraiment faire d'erreur. Donc, ici, je mets mon numéro de téléphone ici. 187 204 07 19. Voilà. Et méthode de transfert, il y a deux banques que j'ai ici. Voilà. Il y a Tinkoff et puis il y a Cyberbank. Moi, c'est Cyberbank. Cyberbank, c'est la banque qui est vraiment reliée à tous. Voilà. C'est la banque qui est, je vais dire comme ça, gouvernementale. Voilà. C'est la banque du gouvernement. Donc, je peux mettre Cyberbank ici et je m'inscris. Vous voyez? Et ici aussi, il y a le numéro de la carte. Un instant, je vais venir vers le bas. Vous allez voir le numéro de la carte. Ici, vous mettez le numéro de téléphone qui est lié à votre carte. Ici, par exemple, ici, vous mettez le numéro de téléphone qui est lié à votre carte. Et moi, le numéro de téléphone, c'est toujours identique. Voilà. Si vous voulez vous inscrire et que ce n'est pas identique, ce n'est pas la même chose, vous pouvez faire de la même manière. Voilà. Faites avec les coordonnées et qu'on vous demande ici. Donc, 0719. Moi, c'est la même chose. Ça, c'est le numéro qui est lié à ma carte. La date d'expiration de ma carte, je mets la date d'expiration. La date d'expiration se trouve juste sur la carte. Vous pouvez voir cela. Voilà. Je crois que pour moi, c'est le 10. Et puis, c'est 2024, je crois. Voilà. Et le mot de passe, vous mettez votre mot de passe. Voilà. Le mot de passe de cette application-là. Cette application que vous allez utiliser, son mot de passe, vous mettez. Et vous confirmez aussi le mot de passe. Voilà. Quand vous finissez, vous cliquez ici que j'accepte les voilà les politiques, la politique de confidentialité. Et lorsque vous finissez, vous faites s'inscrire. Voilà, donc vous allez vous inscrire. Et lorsque vous allez vous inscrire, vous allez vous retrouver sur une plateforme comme ça que je vais mettre ici. Comme moi, j'avais déjà créé mon compte. Donc, je vais me connecter directement pour que vous puissiez voir. Voilà, donc ici, moi, mon compte, je vais mettre mon mot de passe. Voilà, moi j'avais déjà mon compte. Voilà, donc vous allez vous retrouver lorsque vous allez vous inscrire. Voilà, vous allez vous retrouver quelque part ici. Voilà, vous allez vous retrouver ici. Vous voyez, ça c'est mon compte qui est là. Voilà, ici vous allez voir ici peut-être où ils sont bougés, où il y a le montant. Vous allez voir 000 là, alors que moi j'ai 2 400 11 ici sur mon compte. Voilà, et comme vous le voyez, une fois que vous arrivez là, comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir transférer de l'argent vers une personne qui est en Russie? Ou bien, comme je l'ai dit, vous avez deux options: soit vous Vous transférez de transférez de l'argent l'argent à la à la personne personne qui est qui en est en Russie, Russie, ou ou bien bien vous vous mettez de mettez de l'argent l'argent sur sur le le compte, compte, et et arrivé arrivé ici en ici en Russie, Russie, vous vous allez allez pouvoir pouvoir retirer retirer cela cela en en rouble. roubles. Vous Vous voyez, voyez, vous vous mettez mettez l'argent en l'argent en francs francs CFA CFA et et arrivé arrivé ici, ici, vous vous retirez retirez en en rouble. rouble. Donc, moi, je Moi, je considère que considère je que suis je en suis en Côte Côte d'Ivoire d'Ivoire et et je je vais, vais, par par exemple, exemple, mettre mettre de de l'argent l'argent sur sur mon mon compte compte et et arriver arriver ici, ici, je je vais vais pouvoir pouvoir retirer retirer ça ça en en rouble. rouble. Voilà, Voilà, donc, donc, parce parce que que je je dis dis cela cela parce parce que, que il y il y a, a, lorsque vous lorsque vous allez allez arriver arriver à à l'aéroport, l'aéroport, si si vous vous devez, devez, si si par par exemple exemple vous vous arrivez arrivez à à l'aéroport l'aéroport à à Moscou Moscou et et que que par par exemple exemple vous vous vivez vivez à à Samara Samara ou ou bien bien vous vous vivez vivez à à dans dans un un autre endroit endroit et et que que vous ne voulez pas, vous vous n'avez n'avez pas pas payé payé le le billet billet de la de la Côte Côte d'Ivoire d'Ivoire à à Samara Samara directement, directement, et et que que arrivé arrivé à à Moscou, Moscou, vous vous devez devez prendre prendre un un train train pour pour rejoindre rejoindre votre votre ville ville ou ou bien bien votre votre quartier. quartier. Vous Vous voyez, voyez, ce ce serait un serait un peu peu compliqué compliqué parce parce que que vous vous devez devez avoir de avoir de l'argent l'argent sur sur vous vous pour pour pouvoir pouvoir emprunter emprunter le le train. train. Donc, Donc, comment vous comment vous faites? faites?
C'est pourquoi je l'ai dit et je l'ai répété. S'il y a deux options. Soit, si vous pensez que vous allez prendre le billet d'Abidjan ou de votre pays directement dans la ville où vous êtes, alors vous mettez l'argent sur votre compte. Vous mettez l'argent sur votre compte et arrivez ici, vous allez le retirer. Mais de toute manière, forcément, quelqu'un aura besoin d'argent une fois arrivé sur place. Parce qu'il y aura les taxis et tout. Et je le répète encore, ceux qui sont intéressés, qu'on puisse venir les accueillir à l'aéroport. Si, par exemple, votre université ne veut pas vous accueillir à l'aéroport, vous pouvez nous faire signe en inbox, il y a mon numéro qui passe là. Vous pouvez nous faire signe et puis on viendra vous accueillir à l'aéroport pour vous envoyer jusqu'à ce que vous soyez dans votre ville tranquillement. Dans votre droit, sans problème. Voilà, donc vous pouvez contacter une box, on va essayer de gérer ça pour vous. Donc, vous devez vraiment avoir un peu d'argent sur vous. Voilà, parce que si vous arrivez à Moscou, vous devez forcément emprunter, ce sera en rouble. Je vous le dis, je le répète, ils ne vont pas faire de transaction ou de changer votre valeur de currency à l'immigration ou bien à l'aéroport. Donc, on dit prévenir, c'est mieux que guérir, bien tout comme ça. Mais je vous le dis, c'est vraiment très important. Essayez d'avoir votre argent en rouble avant d'arriver ici. Voilà, donc, ici, par exemple, je dois faire le dépôt. Moi, je fais le dépôt sur mon compte et arrivé ici, je l'ai dit. Maintenant, si j'ai un ami ici, je lui envoie mon argent via l'application. Arrivé ici, il me donne cet argent et je l'utilise. Donc, moi, je fais le dépôt. Donc, je viens là où c'est écrit dépôt ici. Voilà. Je fais le dépôt ici. Et on me demande entre le numéro utilisé pour faire le dépôt. Voilà, donc, si je suis en Côte d'Ivoire, je mets le numéro. Si je suis en Côte d'Ivoire et que je suis ici, vous voyez, ici, comme je suis en Côte d'Ivoire, le 7 ne bouge pas parce que je me suis bien resté comme ça. Donc, quel est le numéro que j'utilise pour faire le dépôt? Voilà, ça c'est votre numéro de téléphone que vous allez utiliser pour faire le dépôt. Donc, je vais mon numéro de téléphone ici. 0794-0719. Ok, donc, vous voulez envoyer votre argent via quelle banque? Mobile Money, c'est-à-dire Orange, Move. Donc, vous devez savoir ce qui va sortir là, c'est celui que vous utilisez. Ça va être Orange, ou bien Move, ou bien MTN, ou bien Fouz, ou bien Coco. Ça va dépendre de la qualité, ça va dépendre de la ville ou du pays où vous êtes. Donc, moi, ici, il y a deux, il y a Cyberbank et puis il y a Takeoff. Donc, je choisis, par exemple, Cyberbank. Et ici, par exemple, comme ça, en dessous, je viens là, juste en dessous ici. Voilà. Ici. Je vais mettre par exemple comme ça. Je vais vous montrer un peu ce qui sort juste en dessous là. Comme ça, vous allez voir de quoi il s'agit de parler. Il y a un élément juste en dessous là. Je vais vous montrer. Voilà, donc je viens là et puis je fais le. Vous cliquez. Vous voyez, il y a un bleu juste en dessous là. Comme ça, ça cache un peu mon application parce que j'utilise ça sur l'ordinateur. Donc, vous cliquez sur le bleu qui est là. Voilà, on me demande ici quel est le montant que je veux transférer. Voilà, quel est le montant que je veux transférer. Donc, si par exemple, je veux envoyer, je veux mettre par exemple sur mon compte, ça d'abord c'est pour mettre sur le compte, sur l'application. N'oubliez pas, c'est très important. C'est pour mettre sur l'application. Je veux mettre peut-être 100 000 francs sur l'application. Donc, je mets 10 000 roubles ici. Voilà, je veux mettre 10 000 roubles sur l'application. Donc, voilà, je viens maintenant ici sur le bleu. Je clique là. Voilà, on me demande. Vous voulez vraiment effectuer un dépôt de 1000 roubles, je mets oui ici. Voilà. Et quand je mets oui, vous allez voir ici, ça me renvoie. Et je veux que vous voyez en même temps, vous voyez ici, regardez très bien ce qui se passe ici. J'espère que vous voyez très bien ce qui se passe ici. Vous avez vu, il y a 15 minutes. Ici, c'est très important, je veux bien vous expliquer. Vous voyez, on vous donne 15 minutes. Et pendant ces 15 minutes, il y a des numéros qui s'affichent là. Des numéros Cyberbank et il y a le nom de quelqu'un qui s'affiche. Et il y a le numéro de la personne qui s'affiche. Et il y a aussi votre somme que vous voulez faire, vous voulez envoyer ou bien vous voulez déposer sur votre compte. Alors, le numéro qui s'affiche là, écoutez-moi très bien, c'est très important. Le numéro qui s'affiche là,
vous envoyez, écoutez bien, de votre téléphone, si c'est Orange Money que vous utilisez, si c'est Move ou bien MTN, de votre téléphone, vous envoyez, soit si c'est Orange Money, vous envoyez par Orange Money au numéro qui s'affiche juste là à l'écran où il y a le numéro et le nom de la personne. Donc le numéro de la personne, vous envoyez via Orange Money à ce numéro. Et c'est ce numéro-là qui va faire le dépôt sur votre compte dans les 8 minutes jusqu'à ce que les 15 minutes finissent. Jusqu'à ce que les 15 minutes passent ou bien finissent, vous allez voir que ça va régénérer automatiquement. Votre somme va arriver sur votre compte. Vous voyez? Voilà. Donc, n'oubliez pas. Ce numéro-là que j'ai tenté de parler, voilà, vous avez vu ce numéro de transaction. Et voici le nom de la personne. Voilà. Donc, quel que soit le pays où vous êtes, voilà, ça va changer. Quel que soit le pays, ça va changer parce que pour l'instant, ces admins-là sont dans ces pays. Donc, vous leur envoyez juste l'argent et vous allez retrouver l'argent sur votre compte. Donc, comme je le disais, dans les 8 minutes qui vont suivre, voilà, dans les 8 minutes qui vont suivre, vous allez retrouver l'argent sur le compte ici. C'est-à-dire, vous allez retrouver ça ici. Je vais vous montrer où est-ce que vous allez retrouver votre compte. Vous allez voir que je me retourne un peu sur le menu. Voilà, vous allez retrouver ici votre compte. Voilà, ça sera plus 00. Ici, ça sera plus 00. Ça sera comme vous le voyez là. Voilà, ça sera ici 10 000 ou bien 100 000 francs CFA. Vous voyez, 100 000 francs CFA. Maintenant, une fois que vous avez fini, c'est à vous maintenant de choisir. Soit vous envoyez à votre ami qui est ici, vous voyez, soit vous envoyez à votre ami qui est ici, vous faites un transfert ici, vous faites le transfert ici. Je considère que mon ami est ici, je vais faire les deux valeurs. Je considère que mon ami est ici, donc je fais le transfert à mon ami. En cliquant sur transfert, voilà. Ici, je le répète encore, je vous avais montré un code. Ici, le code qui est là, voilà, le code qui est là ici, vous copiez ce code-là. Monsieur le Russe, voilà, vous copiez ce code qui est là. C'est très important, ça va réduire un peu vos frais. Donc, vous copiez le code, Monsieur le Russe, et vous venez là, promo code, vous mettez là, Monsieur le Russe. Voilà, ici, Monsieur le Russe, et n'oubliez pas, c'est très important, cliquez sur appliquer. Voilà. Lorsque vous cliquez sur appliquer, on dit vous bénéficiez de 20% de réduction sur les frais de transaction. Vous voyez, c'est hyper, hyper important. Ok. Donc, je considère que cet ami-là se trouve ici en Russie. Donc, je prends le pays où se trouve l'ami. Vous avez vu, il y a plusieurs pays, comme je vous ai dit. Vous pouvez rester dans votre pays et aussi envoyer en Côte d'Ivoire, envoyer en Guinée, Sénégal, Bénin, voilà. Donc, mon ami est en Russie. Moi, je clique sur Russie. Et maintenant, je choisis. Il est en Russie. Il va me dire quelle est la banque qu'il utilise. Il utilise Tinkoff ou bien il utilise Cyberbank. Si c'est à moi que vous allez envoyer, vous allez cliquer sur Cyberbank. Vous voyez? Et vous allez mettre le numéro qui est lié à mon compte bancaire. Donc, vous allez mettre comme ça 987-904-07-19. Ça, c'est mon numéro qui est lié à mon compte. Voilà. Et quel est le montant que vous voulez me transférer? Vous allez voir. Vous avez déjà mis là-bas 100 000 francs. Donc, les 100 000, ce n'est pas tous les 100 000 que vous allez pouvoir transférer ici. Vous voyez? Donc, vous allez réduire et vous allez mettre peut-être, au lieu de mettre 100 000 francs, vous allez mettre 98 000. Vous voyez? Si ça ne suffit pas, ils vont vous dire que ça ne suffit pas et vous allez, par rapport à cela, si ça ne suffit pas, lorsque vous allez cliquer sur transférer ici, ils vont vous dire que ça ne suffit pas et vous allez changer. Vous voyez? Voilà. Donc, vous allez réduire un peu la somme si ça ne suffit pas. Voilà. Donc, ici, par exemple, comme ça, si maintenant je n'envoie pas à quelqu'un là-bas au pays et que je veux le laisser sur mon compte, alors je laisse ça comme ça sur mon compte ici. Et une fois que j'arrive ici en Russie, qu'est-ce que je fais? Je clique sur retrait. Voici le retrait qui est là. Une fois que j'arrive en Russie, je vais avoir ma carte bancaire, je vais tout avoir. Donc, je mets ici retrait. Vous voyez? Je mets ici retrait et voici mon numéro de carte qui va s'afficher là. Et je clique sur retrait. Quand je clique sur retrait, l'argent que j'ai sur mon compte ici, le montant à débiter, je vais prendre l'argent que j'ai sur mon compte. Voilà. Et je clique sur retrait. Quand je clique sur retrait, vous allez voir que cette somme-là va se retrouver directement sur mon compte bancaire ici en Russie. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien suivi. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas, si vous avez des questions, c'est vraiment important, c'est une histoire d'argent. Donc, si vous avez des questions, posez ces questions-là en commentaire. Je vais faire une vidéo pour mieux
vous expliquer. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. C'est l'application FlashSend. Vous pouvez voir cela, vous pouvez voir cette application dans le lien dans la description et dans les commentaires. Et surtout, à plus les gars.